Je suis en canal 1. Ah, je suis canal 1. Ah, oh Bob, quoi? Genre, je pop pile devant toi. Ouais, t'as vu ça, c'est beau. Je suis désolé pour Flanelle, mais là, il y a quelque chose, hein. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pokébébo en Soul Link, Nuzlocke, tout ça, mes couilles, en compagnie de Little Note. Salut, salut. Normalement, le programme du jour, ça dépendra vraiment de cette arène. On est censé faire deux arènes, enfin en tout cas, on va essayer pour un peu avancer dans le jeu, parce qu'au final, on est un peu bloqué pour le moment. Et après, on va essayer d'atteindre Cramoisil, qui est normalement la ville suivante qu'on va devoir atteindre avec Surf, parce que pour l'instant, on peut pas utiliser Surf comme il nous manque deux arènes. Alors, nous avons Loclass Lolo qu'on a récupéré au dernier épisode, qui est niveau 46. On a Nonos niveau 46, le Arcanin. Je pense qu'il va crever dans pas longtemps. Bulby, le Florizarre 45, mais il va pas être trop utile puisque Arène 6 pour là, donc là je peux pas l'utiliser sinon on perd nos starters. Thor, le Léviathan niveau 46. Onflex, je flex niveau 46, qui est aussi un peu l'arme ultime. Hein. C'était l'arme ultime du dernier épisode de Team. Hein. Et pour finir, Britney, le Draco niveau 38. Voilà, qui pour l'instant n'est pas encore prêt. Cronflex, donc Little Z. Donc grâce à son attaque Machouille qui va être la frontline. Ensuite Léviator, Berry Splash, pareil attaque Machouille qui va me sauver. Bah on a que ça hein, on a que une stratégie Machouille morsure de toute façon. J'ai mon Berry Croc qui est niveau 35 qui sera la première ligne catastrophe. ensuite j'ai Little Drake, donc le Draco, Little L, mon Draco Feu, qui sera aussi là en ligne de soutien. Et une fois que j'aurai plus rien à envoyer, et ben j'enverrai Little Punch, qui est de type combat, qui se fera open bar dès la première attaque, mais qui sait, il sera peut-être plus rapide. Ah. J'espère que vous avez apprécié, ça va être la seule arène qu'on va faire, on va perdre tous nos Pokémon. L'aventure s'arrête peut-être ici pour nous. T'as vu, j'ai sorti mon Ronflex. Je vais le sortir aussi. Alors je te conseille, et on va le faire quand même, c'est de faire tous les dresseurs quand même. Ça fait toujours de la thune. Et de l'XP. Qu'on débloquera plus tard. Après, ils sont pas non plus ultra haut niveau. Je m'avance tellement pas là-dessus. Parce que ouais, là. Faut pas. Non, j'avoue, je vais invoquer le karma, t'as raison. Monsieur Mime qui est 37, qui est plus rapide que moi. Je flex, c'est lent. Hein. Je ronflex. Ronflex, c'est lent. Ouais, ouais, non, mais. Bon, ça va, il tank bien. Ronflex tank bien. Mais le champion va quand même le déboîter. Hein. Oh, ça commence hypnose, tout ça là. Let's go. Ouais, non, mais là, j'ai eu la totale. Là, j'en ai un qui m'a fait cage éclair en Kadabra. Je pense que je vais partir déjà me soigner. Je suis plus rapide qu'un Ramolos. C'est lent, Ramolos, quand même. C'est chaud aussi. Moi, je vais soigner entre chaque. Hein. Non, moi, je vais mettre le Léviator, là, et faire le suivant. Je soigne entre chaque, mec. Hein. Je me pose même pas la question. Je préfère me dire que je perds 15 minutes d'aller-retour. Oh, tout va bien se passer. Je vois pas où est le problème. Je t'avoue, par contre, pour la championne, je vais sortir son set. Hein. Je l'ai gardé de côté, moi, direct. Moi, je réfléchis plus. Moi, j'allume Google. Je veux savoir ce qu'elle a. Hein. Parce que, bon, la championne va avoir des Pokémon un peu vénères. Et je crois, en plus, on est plus de niveau 40. Hein, parce que là, on a, vous allez dire 10 niveaux de plus, mais je crois qu'elle a des Pokémon niveau 45. 44. Et la dernière fois, on a fait oh, ça va, c'est large, tranquille. C'était l'arène de combat à côté là où on s'est fait one shot tous les deux nos pokers. Oui, je suis plus rapide qu'Hypnomad. Exploforce, j'ai évité l'attaque. Oh. Oh. Tu peux avoir peur, ouais. Tranquille, on est bien, tout se passe bien. Pour l'instant, tout ça, c'est easy. Ça, c'était sûr qu'on n'allait pas galérer. Ta gueule. Juste vraiment, ta gueule. Parce que le moment où ça va nous tomber dans la face. Non, mais je dis plus ça pour les champions. Là, maintenant, Ouais. On va tomber sur le mec qui va nous sortir abracadabra, mes couilles, level 75. On va être là, mais d'où tu le sors? Il va être là. Alors! C'est Alakazam, pas abracadabra. Connais pas cette évolution-là. Tu sais pas, tu connais pas Pokémon, c'est tout, mais. La quatrième évolution à Bracadabra. Elle a un Spectrum 40. Elle est déjà là à t'annoncer la couleur. Ouais, quand ils ont un seul Pokémon, souvent il est très haut niveau. Il a esquivé l'attaque. Little Note qui va se faire karma pour moi. J'invoque le karma de Little Note. Ouais. Bon, bah on a fini les dresseurs, on va soigner. Et puis bah je te propose d'aller faire Morgane après. Hein. Attends, là, pour le moment je me chie dessus deux secondes. Bon allez, je suis devant la championne, je t'attends. J'ai mis son set pas loin. Au cas où il y a une surprise du genre le Pokémon il a une attaque toi qui t'en... Moi en vrai ouais je commence par Ronflex. Hein. J'hésite, j'ai envie de mettre Arcanin parce que si c'est Lipoutou, tu vois, il est type glace, je pourrais le défoncer. Mais le truc c'est si c'est pas Lipoutou en premier. Ce Flagano c'est la pire situation.
T'as conscience que moi, si je mets un Pokémon de feu dans cette optique-là, on peut potentiellement perdre notre starter. Ouais, je sais, t'as rien. Non, mais en vrai, Lipoutou, il est glace, il aime pas le combat. Et Ronflex, c'est combat. Ouais, non, en vrai, le meilleur, c'est Ronflex. Hein. J'aime bien Sabrina qui dit « J'ai eu des pouvoirs psychiques depuis l'enfance, j'ai appris à plier des cuillères avec l'esprit, ça sert à rien, mais ça en jette. » Bah oui. Let's go, Morgane, qui lead avec un Flagados. Pareil. Flagados en premier. En vrai, c'est peut-être le mieux. Enfin, non. Alors, fais gaffe, il a ébullition. Il a une attaque feu et laser glace. Alors. Ouf. Ah oui, ça tanque très bien. Oui, oui. Et ébullition, ça te brûle. Hein. Brûler, ça divise ton attaque. Hein. Ouais, bon, ça m'a pas brûlé. Là-dessus, ça va. Par contre, les restes. Ouais, ça va faire qu'on va le tuer très lentement et il aura peut-être le temps de nous brûler. Hein. Et brûler, c'est la pire situation. Hein. Il m'a pas brûlé et je l'ai tué en trois coups. Ouais, moi aussi je l'ai tué en trois coups, mais est-ce que je brûle? Non, c'est bon. Mais il a fait mal, hein. Il a fait le taf, le Flagados déjà. Hein. Au moins, on n'est pas brûlé. Ça, c'est le principal. C'est ça. Mentalier en suivant. Ah, moi j'ai Monsieur Mime. Rafale Psy. Ça fait très mal. Hein. Ouais, ça va. Monsieur Mime fait pas trop mal et je le one-shot pas non plus. On one-shot personne. Aurore, c'est Aurore Morning Sun. Ça fait quoi déjà Aurore? Ah bah, et Sammy Full Life. Ah, il est plus rapide. Il est plus rapide. Oh là là, le crit. Oh là là. Ok, à la caserne, tu le one-shot. Donc je le one-shot, tu dis. Ouais, mais il attaque en premier. Hein. Il est plus rapide. Hein. Mais Machou, ça le one-shot. Hein. Ouais, mais je vais me soigner à ce moment-là. Parce que comme t'as dit, il attaque en premier. Lipoutou, pareil, il est plus rapide et il fait très très mal. Autant qu'à la Kazam. Oh, one shot aussi. Ok, Lipoutou, on one shot avec Machou. Pokémon niveau 50, Tobé en. Ah, t'as fini? Ouais. Ok, bah GG. Ouais. Tiens, prends ça. Reçois la CT de mes couilles, machin. Ok. Et Mentali qui meurt, yes, let's go. On peut passer maintenant au Pokémon niveau 50. Et bah écoute, ça s'est bien passé en vrai. On a utilisé plein d'hyper potions, mais ça s'est bien passé. Ça s'est même trop bien passé, je dirais. C'est moi ou les dresseurs, ils ont été boostés? Mais attends, mais j'aurais combattu des Pokémon niveau 39-40, j'aurais spammé là. Attends, c'est quoi ces niveaux? On a essayé d'augmenter la difficulté parce qu'on trouvait que vous galériez pas assez. Ah merci, bande d'enfoirés. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, mais what the fuck? The fuck, les amis. Gros tas de morve explosion? Mais what? J'avoue que je viens de remarquer qu'il est le mob que j'ai affronté, les niveaux 40. 42. Quoi? Ils étaient pas ce level là quand je les ai affrontés. Bah ouais? Parce que justement j'ai fait des dresseurs juste avant que t'arrives. Tu veux... Attends, ça veut dire que Pokémémo bloque avec les badges les niveaux des Pokémon? Il y a un palier? Oh, il y a des courriers, il y a un palier! What the fuck? Ça me fait trop peur là d'un coup, là j'ai trop peur. Attends, mais le dresseur m'a mis trop mal, mec. Et c'est un dresseur, normalement je rase, hein, je pense bien. What the fuck, les amis quoi? What do we do? J'ai peur. On est d'accord. Ça me terrifie là. Je sais pas pourquoi. Normalement, on est censé faire la deuxième arène. Mais... Je sais pas pourquoi les dresseurs on boost, on level up de fou là. J'ai envie de faire un expérience. J'ai envie d'essayer de combattre un dresseur et voir de type poison et voir un peu le niveau qu'il a. Bon, attends, je vais choper un motard au pif. Je vais envoyer Ronflex. On va voir. 42? Ah ouais, non, mais il y avait pas ça avant. Hein. Oui, non, non, on est d'accord. Non, mais ça m'aurait marqué des gros tas de morphes niveau 42. Je me serais dit, tiens, je m'entraînerai. Alors, attends, je suis en train de faire, tu sais, le pont où il y avait les 5 dresseurs qui nous affrontaient. Ah, pour pépite. Donc c'est bien ça, tous les dresseurs ont monté. Parce que je me rappelle pas ta confort niveau 34. Ah, y'a quoi? Je suis grand, je suis fort. Mais je savais pas ça. Bah en même temps, je trouve ça logique en soi. Hein, j'ai jamais vu un leveling des dresseurs comme ça. Bon, je vais pas proposer Pokémon de zone parce que je sens qu'on va d'abord se faire aggro par les dresseurs. Ou pas, non? Parce que, ah, la route 18, on avait rien capturé là-dedans? Ouais, bah oui. Et là, il est niveau 29, lui. Ah, mais c'est peut-être les dresseurs qu'on a déjà affrontés qui se level up. Alors, du coup, j'ai mon Pokémon de zone. Ah, ça se trouve, c'est ça. Tous les combats, les dresseurs qu'on a combattus, en fait, ils level up après l'arène. Oui. D'accord, donc j'ai pas de Pokémon de zone. Il a un one shot. J'ai voulu faire un petit coup de boule en me disant, c'est mon attaque la moins forte, ça va l'affaiblir. Et attaque note, ça lui a dit, allez, je t'encule, bonne journée. Little, Roflex, il est psy, il a le stab. Ah, bah oui, j'aurais dû faire ma chouille. Oh non, il a un Dodrio avec atterrissage. Alors tu peux pêcher, mais sinon il y a des Pokémon tout en haut. Ils aggro plus les gens. Mais peut-être qu'on est trop haut niveau, hein. Parce que moi aussi m'aggro est plus. Hein. Bon bah c'est rapace de pique pour moi. Hein. Tu veux vraiment qu'on le capture? Allez, s'il rentre du premier coup dans la Master Ball, ok. Allez, Master Ball. Bon, je vais pas le tuer avec Uraco quand même. Ah bah j'ai tué rapace de pique. Bah non, mais c'est de la merde. Donc je le relâche sur Ratata.
Alors, l'arène, c'est des murs invisibles. Un labyrinthe de murs invisibles. Mais ça va, c'est pas méchant. Quoi ? Crois-tu pouvoir me battre ? Voyons ta technique ! Tu peux atteindre ce dresseur ? Pourquoi est-ce qu'il envoie un Kadabra ? Quoi ? Normalement, c'est exclusivement poison, mais peut-être que pour le troll, ils ont mis d'autres Pokémon. Oh putain, ils ont des techniques à base de toxique instant, là. Moi, là, là-dessus, ça va. Le toxique, je m'inquiète pas. Ah oui, c'est vrai que t'as le meilleur Ronflex. Oh ! Et ouais, Ronflex, Iflex. Dardanian ? Là, c'est logique. C'est plus logique que le Kadabra de merde, là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Oh putain, je suis instant empoisonné. Ça va être la reine de l'enfer. En vrai, c'est ça la technique. Faudrait lui balancer le Ronflex, mais sur la gueule. Heureusement qu'on a un Ronflex psy. Hein. Ah bah, franchement, je pensais vraiment pas que Ronflex type 6 c'était trop bien. Oh putain, toxique! Pourquoi j'ai pas vaccin moi aussi? Parce que c'est que pour les bons. Oh là là, mais toxique contre folie, mais c'est la reine du cancer du cul! Alors attends, il a un sable héros lui. Putain, mais ils ont des Pokémon qui ont rien à voir. Hein. Ah, il a orbe toxique! Fais gaffe, le sable héros est vénère. Il fait des crocs fatales. En fait, j'attends qu'il meure du poison tout seul comme un grand. Mais je claque une hyper potion par tour en fait. Bah, moi j'ai mis Léviator moi en switch. Donc je savais qu'il allait faire une attaque type sol. Du coup, il rate. Attaque typo, one shot. Suffit de savoir gérer et de jouer en strat quoi. Oh, mais toxique, mais stop! Oh non! Il utilise toxique! Oh le fils de pute, je suis con! J'avais pas lu son texte de merde! Quoi? Il m'a retiré mon vaccin! Avec son smogo de merde! Non mais Ronflex, c'est le meilleur Pokémon du jeu à ce niveau-là, hein. Je suis désolé de le dire, hein, mais... En fait, son seul défaut, c'est qu'il est lent, mais ça c'est pour le nerf, hein. Par l'enfer, par le sang, par l'acier, je vais gagner! Moi aussi, bâtard! Moi aussi, prépare-toi à affronter mes terribles Pokémon poison! Oh putain, gros tas de morts instant! Commencez avec Nostanfer. Nostanfer qui m'a fait un poison croix coup critique. Ouais, parce qu'il fait des crits, voilà, Nostanfer aussi. Et il fait très mal. Ah, il a la baie citrus, donc il s'est bien soigné. Je flex, s'il te plaît, je flex. S'il te plaît. Let's go. Allez, hyper potion! Ouais, tu vas devoir parce que vraiment il fait très très mal. C'est un très bon Pokémon dans cet enfer. Du coup, Smogogo, j'imagine qu'il va exploser. Donc on va jouer low class. Parce que j'étais à portée de kill. Ah non, choc venin. J'aurais voulu qu'il explose, ça l'aurait éliminé. Oh, il me fait choc venin. Ouais, non, c'est nul. Il est nul. Le Smogogo est nul. En fait, il fait juste peur du fait qu'il peut exploser. Alors, il est en dessous de la midlife, il va peut-être s'autodétruire. Destruction. J'ai bien fait de me soigner. Le Tenmorve. Je suis plus rapide que lui. Oui, c'est plus rapide. T'es plus rapide que le gros Tenmorve. Ok, plus d'aéromite. Il m'en reste juste un. J'ai gagné. Ah oui. Oui. Donc ça fait mal le casse-brique, mais effectivement, on tank. Je finis avec Nostanfer, mec. Ça me fait peur. Oh, ça va. Arcanum va le faire. J'ai l'impression qu'on a un commun en vrai. Je sais pas ce que vous allez penser les gens, mais moi je trouve qu'en vrai on a bien progressé. Ouais, tu sens qu'il y a eu quelques Pokémon Showdown moi de mon côté. Non, je suis empoisonné, non. Oh, je l'ai brûlé. Yes, let's go. Rayon signal, coup critique, j'ai bien fait de me soigner. Et c'est Nonos qui va finir le champion à la vitesse extrême, let's go. Ah, il m'a mis un carton rouge. Oui, mais c'est pas mal en vrai, ça te met un Pokémon aléatoire, mais... Alors... Je suis plus rapide que toi avec mon point de feu! Et oui! Little Punch, moment de gloire! Let's go! Oui! On l'a fait sans perdre un Pokémon de Zaren! Toi aussi, t'as les tétons un peu durs là? Ouais, de ouf, mec! On a toxique! Oh, let's go, on a toxique! On cogne au bidon! Non, mais. Non. Non, trop dangereux, non, allez, on n'est pas en strat là. À tout moment, on perd notre Pokémon bêtement. Ah, ça a été très tentant, hein, j'ai vu. Mais là, perdre la moitié de sa vie, sachant que les Pokémon t'es one-shot à moitié. Ouais, bon, enfin, si c'est pour le tuer. Mais là, pour la prochaine fois, moi, je mets 50. Hein. Là, je vais sur le max. Hein. C'est bon. Hein. Maintenant, je laisse plus rien au jeu maintenant. Hein. Maintenant, j'ai plus peur. Il y a eu assez de morts comme ça, c'est bon. Oh, je veux plus, en fait, je veux plus un épisode où on déprime, on a perdu 6 Pokémon et c'est horrible. Non, c'est fini, ça s'arrête, hein. Je veux bien qu'on perde des Pokémon, mais genre à la ligue. Ça, c'est faut que ce soit épique. Et puis là, on va attraper un Pokémon type O. Encore un. Oh oui. Oh, c'est relou. Oui. C'est relou. J'ai le temps cruel direct. C'est relou. Non, il faut qu'il rentre. Oh, First Trash Super Ball! Oh, dab. Et sans faire le B plus bas. Alors, ça me fait châtiment. C'est quoi le châtiment, Saminou qui a menti? Donc, tu marques Berry et tu marques après NTAI. Mais je suis trop content, y'a relou. Yes, let's go.
En vrai, je suis trop hype de retrouver des fois des Pokémon de vieux Let's Play, ça me fait trop plaisir. Je comprends maintenant ce que ressent Fidrong, tu vois, quand il retrouve ses Pokémon. Bah, moi je sais que je retrouverai jamais mes Pokémon, donc bon, écoute... Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas la chenille team dans l'ARG. Comme un ouragan qui t'emmène au loin, je t'ai dit que petit bâtard... Le nombre de dresseurs qu'il y a, au secours. Il y a un mec, il a un harem. Quoi? Non, je rigole pas, hein. Tu descends, il y a un mec avec trois nanas. Et puis là, je bats une nana avec son petit frère, là. Attends, c'est le petit frère qui a le poisson roi, là? Comment ton petit frère, il a l'évolution Eh, mais attends, mais je suis en train de me rendre compte qu'il y a un truc terrible, quand même. Poisson roi, c'est l'évolution de poisson sirène. Oui, oui, non, mais... Ça veut dire que c'est une femme qui devient un homme. Et c'est-à-dire que l'homme est supérieur à la femme, puisqu'il est plus fort techniquement que poisson sirène. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez, mais... Ça fait réfléchir. Enfin, techniquement, poisson roi, même si c'est un nom masculin. Et c'est un roi, pas une reine. Au final, je crois poisson roi, c'est ça peut être de sexe féminin, je crois. Le poisson reine est mâle et le poisson roi est femelle. Ah ouais? Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Relou et volé. Allez, Tentacruel, let's go. Bah, c'est vrai que j'ai même pas regardé le set de Tentacruel ni le talent. J'ai pas regardé non plus. J'ai trop de Pokémon haut. Ah, il a suintement. Ouais, si c'est bien. Bon, on fait du leveling, ça monte tranquille. C'est ça. Je pense que je vais peut-être me claquer le super repousse parce que ça va être... J'ai 15 attaques électriques, donc je vais faire quelques allers-retours. Ah, tu tues les... What the fuck? Mais calme-toi, poisson roi. Mais tue pas les sauvages, hein, t'embêtes pas, hein. Moi, je les fuis. En plus, j'en rencontre pas souvent, donc je t'avoue, ça va. Ouais, mais j'ai toujours ce mauvais souvenir du Pokémon qui m'a dit « Non, tu peux pas t'enfuir, elle était là. J'ai rien pour te tuer, je vais me faire bouffer, je veux pas mourir. Si, si, tu vas mourir, viens. » Non, non, c'est bon, y a plus maintenant, normalement. Quelques minutes plus tard... Oh, mon Dieu. Donc, vous retiendrez ce moment-là, hein. Il y a une personne qui m'a dit « Non, mais... » Mec, il y a plus de Pokémon qui t'empêchent de fuir. Bah excuse, moi j'arrive à fuir, hein, mais peut-être que bon, j'ai peut-être plus de classe que toi. Hein. Toi t'as Pokémon, oui, je n'ai des Pokémon, moi aussi. Enfin j'avoue quoi, t'affrontes des nageurs qui ont des Pokémon haut, il y en a aucun qui a surf quoi. J'aime nager. Oh non. Oh non. Les îles écumes sont obligatoires. J'ai tellement pas envie de la faire la zone. Bon allez, Pokémon de zone. Oh sérieusement. Juramolos. B+ bar. Je capture Krabby parce que Ramolos c'est bien. Au moins tu parleras pas Ramolos. Je veux pas jouer Krabby parce qu'il va se faire one shot. Bon, Tartampion, tu l'appelles comment ton Ramolos? Je l'appelle pour le moment, tu me casses les couillos. Ça me déprime là, juste de voir les rochers à pousser en énigme là. En plus, c'est une grotte. J'ai plus de repousse. Oh là là, ça va être chiant. Allez, Little Flame. Ensuite, je te conseille de pousser le rocher qui est à côté, à droite, dans le trou. Je sais pas si ça va servir. Oh, ça va être chiant. Oh, ça va être chiant. Attends, j'ai trouvé la sortie. Ah bah je suis sorti, c'est bon. Bah je suis sorti de la grotte, hein. Allez, à la prochaine. Bah attends, là-bas t'as un trou Bah je crois pour toi qu'il y a un trou Me demandez pas pourquoi je suis parti sans motif, hein. Parfois mon cœur s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. C'est beau ce que tu dis là, on croirait presque que t'as volé les chansons et les paroles à quelqu'un d'autre. Un grand philosophe. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. Bon, je vais à Cramoisie, là, hein. Tranquille, en attendant, il y a encore plein vas-y, de... Vas-y, moi pendant ce temps, je m'amuse. Attends, je peux fuir ça? Ah oui, je rencontre un Pokémon par bloc, et là, si tu veux, je viens de tomber sur une horde de Tentacool. C'est pas cool. Que j'ai réussi à fuir. Ouais, bah cool, ouais. J'ai réussi à refuir, mais... Non, mais c'est vraiment tous les blocs? Ah! Encore la horde! Au secours! Salut, je suis un scientifique très sérieux, j'étudie les fossiles. Dis-moi, tu aurais un fossile pour moi? Oh, c'est un Nautile! Fossile d'Ammonita. On va s'arrêter là. Attends, fais le manoir, non? Vite fait, juste la capture. Si tu veux, mais je vais me faire un café avant, parce que je m'endors. Oh, juste capture un Pokémon! Je m'endors! T'as envie que ce soit dynamique ou que ce soit chiant? D'accord, ok. Bah ouais, ça va, cet influenceur à la noix, là. C'est bon, il a 3 abonnés, il se prend pour n'importe qui. Later. Allez, le manoir, on fait juste la capture du Pokémon de zone, comme ça c'est fait. Comme ça, si tu veux l'entraîner, tu l'entraînes. Bon, reste un Pokémon type feu. Ah, déjà? Oh, Tan Morve! Je crois que je l'ai déjà. Ah, oui, c'est ça, j'ai déjà. Morvax, le Tan Morve. Berix. Oh, Berix, c'est trop mignon. Eh ben, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, que vous avez frissonné avec nous, que vous êtes quand même assez content comme nous de ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que vraiment, c'était vraiment impressionnant. On aura le fossile la prochaine fois, on débloquera l'arène et on fera l'arène. On aura nos Pokémon niveau 50, je pense. En tout cas, moi, c'est mon objectif, je sais pas ce que Little Nose fera. Pareil, je pense qu'il va falloir gentiment que je monte tout ça, que je trouve du temps. Bon, allez, on vous dit à plus la prochaine. À plus.
qu'est-ce que ça passe vite quand on s'amuse. J'arrête le record et vous ne verrez rien. Je relance le record et maintenant vous revoyez.